Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette. C'est une salade chaude d'aubergine idéale pour l'automne et l'hiver. C'est vrai que c'est un légume qu'on ne sait pas trop comment le cuisiner. Donc cette salade est idéale pour cette saison, par exemple pour accompagner les autres plats chauds, la viande, etc. Donc pour cette recette, on aura besoin de l'aubergine que j'ai fait cuire dans le four pour environ 30 minutes à 200 degrés. Donc 300 g près d'aubergine, 2 petites tomates à peu près 150 g, de l'huile d'olive, 10 g de gousse d'ail râpé, du sel, du poivre et du cumin. Donc on va tout simplement commencer par éplucher nos tomates comme vous voyez. Ensuite, on va tout simplement les découper en petits morceaux. Et on va les réserver de côté. On va ensuite venir éplucher notre aubergine tout simplement. Comme vous voyez, ça s'épluche très très facilement. Je vais enlever le reste et je vais tout simplement la découper en petits morceaux comme j'ai découpé la tomate. Et je vais ensuite la laisser égoutter pour débarrasser, en fait, la débarrasser de tout l'eau qui vient avec. Donc après, pour la préparation, j'ai mis tout simplement dans un wok ou bien une simple poêle l'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe. J'ai ajouté mes gousses d'ail râpées. Donc moi, je râpe l'ail et je le mets au congélateur, c'est pour ça qu'il a cette forme-là. Donc je vais le faire revenir, le dorer un peu pour qu'il dégage son goût en fait dans l'huile. Ensuite, je vais tout simplement mettre mes tomates que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais les mettre et je vais mélanger bien tout ça. Et je vais les laisser cuire pendant environ 5 minutes maximum. Sur un feu moyen. Je vais ensuite ajouter mes aubergines après les avoir égouttées comme j'ai précisé tout à l'heure et je vais mélanger bien le tout. Je vais ensuite ajouter mes épices, donc une demi cuillère à café de cumin, une demi cuillère à café de sel et une pincée de poivre. Je vais mélanger bien, je vais couvrir tout ça et laisser cuire un tout petit peu le temps que le mélange prend bien. Et voilà, après 3 minutes à peu près, c'est prêt. Donc, il ne reste qu'à dresser une très bonne assiette, à déguster bien sûr chaude, sans oublier la touche finale, un filet d'huile d'olive par-dessus. C'est très très bon les amis, testez cette recette, vous allez adorer l'aubergine. Et voilà les amis, je m'excuse pour ma voix, mais je suis enrhumée en ce moment. Donc, j'espère vraiment que vous allez essayer la recette et m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker et à partager la vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Voilà les amis, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur lovebooking.com. Au revoir.